second chance. In this new world, I find myself living in, searching for a beginning. In this false veil of what I've been given, I don't see what you want me to. I can't find what you're looking for. It's a new start to the next beginning. Close your eyes and pretend that you are still dreaming. It never seems to have been the past. Will things really change now? It's time to let go of what you think you know. Cause we're all kinda screwed in this together. It never seems to have been the past. Will things really change now? Finding reasons to try. J'espère que vous allez bien. On est quel jour? On est samedi. Ouais, on est samedi. C'est le week-end. Bon, nous, on voit pas trop de différence, hein. Week-end, pas week-end, mais bon. Bref, tout va bien. Enfin, le van, pour l'instant, tout va bien. Il fuit un peu l'huile quand même. Donc, du coup, Valentin essaye d'aller en racheter. On a bien quitté l'emplacement où on a dormi hier soir. C'était un très joli endroit. On était vraiment en bord de mer et tout, c'était cool. Ce matin, vous avez pu le voir, on avait un petit lever de soleil, même si je crois qu'on voit pas grand chose sur la vidéo. On vous a aussi, comme vous avez vu, fait quelques petits plans au drone ce matin en repartant, donc c'était chouette. Là par contre, on sait pas trop, on va peut-être devoir y retourner parce que, boulet que je suis, j'ai oublié mes chaussures. Bon, on est à nouveau en panne. Bon, je vous reprends, du coup j'avais plus de batterie. Du coup c'est la pédale de frein qui fonctionne plus, qui est plus maintenue, on sait pas trop. Enfin voilà, Valentin est sous le van en train de regarder. Voilà, c'est là-bas. Vous voyez, elle est là, elle ressort même plus, elle est totalement retombée. Donc voilà, on est en plein milieu d'un rond-point. Mais bon, ça va le faire, hein. Quand on aura tout refait. Valentin se moque de moi parce que je vous ai dit n'importe quoi, c'est pas du tout la pédale de frein, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, c'est l'embrayage. J'ai encore passé pour une débile, mais voilà, on va dire que c'est l'émotion. Puis il se marre parce que juste avant, j'ai déjà refait la vidéo une deuxième fois parce que je lui avais dit que c'était la pédale d'accélération. Donc en gros j'ai fait toutes les pédales. Je me fatigue. Bon, la pédale a repris son emplacement d'origine. Liam joue. On a notre super mécano qui est toujours sous le van. Après, il a bien trouvé d'où ça venait. C'était une pièce qui avait cassé. Et il a réussi plus ou moins à bidouiller pour la réparer. Là, il est en train de refaire les derniers réglages, on va dire. Dernière finition et normalement on devrait pouvoir repartir. Ouais, ce que je disais, il va pouvoir se convertir en mécanicien combi en revenant là. Il aura tout vu, tout fait bientôt. Mais enfin, on y arrive, hein. Chaque fois on y arrive nous-mêmes maintenant, donc voilà, enfin bon, là, on est pas reparti encore. Je vais pas crier victoire trop vite. Mais bon. On est reparti! Bravo chérie! Franchement, chapeau. Oui. The grains and cracks of gray beneath my feet were smooth and dark the day they were laid down. The tan lines and white flakes heed their sheath. When I first wore these boots, they were even brown. Je ferme, ok? Bon, on se retrouve pas mal plus tard dans la journée. Du coup, là, on va faire 2-3 courses. On s'est baigné tout à l'heure, vous avez vu. Ensuite, on est allé manger un petit bout, etc. On a essayé d'aller à un garage parce que du coup, on fuit toujours un peu l'huile. Et on voudrait voir pourquoi, en fait, parce que du coup, de remettre de l'huile régulièrement, c'est pas très économique.
Donc voilà. Mais là, du coup, on est samedi après-midi, donc tout est fermé jusqu'à lundi. Bon, on a racheté de l'huile et on fera avec. We don't have to live here. Love needs no follow. Une vidéo. Bon, on est installé. On est un peu en bord de route. Mais là, il y a le fenêtre dans lequel on va aller demain matin. Donc au moins, on est tout prêt. On a notre petit gain de fortune, voilà. Bah après, de toute façon, ici, hein, on va bien vous montrer ce que c'est la vraie van life, hein, c'est-à-dire les trucs qui sèchent un peu partout parce que de toute façon, tu te balades pas avec ton tankerville. Petite table, petite chaise, voilà. On est en train de faire chauffer des pâtes. Hop, voilà. Tu vas peut-être mettre un petit fond de musique. Ouais, ok. Allez.